Eh bien, salut à tous, c'est Derko pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau let's play qui est un petit peu particulier. C'est un long play et je ne suis pas seul pour ce let's play sur Borderlands. Premier du nom, je suis avec CTODN alias Nano Cooper. Dis bonjour. C'est moi-même, je dis bonjour. Et Wakazuka 8 alias Wakazuka. Ouais, pas si c'est marqué. D'accord. Très bien. Ok. Bon. Bienvenue à tous pour ce long play. Comme notre ami Derko Yuma l'a dit ici, ça va être un long play sur le jeu Borderlands. Peux-tu nous dire de quoi s'agit-il exactement, Derko? Qu'est-ce que nous allons attaquer? Alors, on va s'attaquer à un très 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 gros morceau. On va se retrouver sur une planète dont j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave. On est des chasseurs de l'arche et on recherche l'arche qui est censée exaucer tous nos souhaits. Et pour ce faire, il va falloir qu'on se forge une réputation au sein de différentes missions. C'est ce qu'on appelle un RPG FPS, pour faire simple. Donc, RPG FPS, ça va. C'est un jeu de rôle. Très intéressant. C'est un jeu de rôle, mais en tir première personne. Voilà, pour faire simple. En première personne. La partie jeu de rôle, en fait. FPS. Voilà, c'est ça. La partie jeu de rôle, ça va être tout ce qui est skill tree. Donc, on va pouvoir débloquer des habilités qu'on va pouvoir améliorer, on va pouvoir récupérer du stuff qui va avoir certaines particularités, des dommages, une cadence de tir, ce genre de choses, ou même des dommages élémentaires. Et la partie FPS, bah, c'est tout va se jouer à la première personne. Ok, d'accord, j'arrête. Et bon. Ben voilà. Et donc, deux, trois petites précisions. Le format et la diffusion. La fréquence de diffusion des vidéos. Donc, c'est le format, vu que ça va être un long play, vu que le jeu il dure quand même paquet d'heures, ça va être des épisodes de environ une heure et demie, voire même des fois 2 heures si on est vraiment très motivé. Et ça va être diffusé une fois par semaine sur ma chaîne ainsi que la chaîne de Nano. Le lien de sa chaîne est dans la description de la vidéo. Et inversement. Oui, inversement. Voilà. Les liens de Derkovo sont dans la description de cette vidéo qui sera diffusée de mon côté. Voilà. Donc, bah, on peut commencer tout de suite. Hein. Par contre, toi, il joue avec son micro. Là, il est en train de le bouffer, là. Je sais même pas. Ça s'affiche pas quand je parle tout le temps aussi, c'est ça qui est bien. Mais ça, tu vas le modifier ça dans les options. Oui, mais moi, je sais pas, c'était marqué appuyer. J'avais regardé dans les options, appuyer sur T pour parler, je n'appuie pas sur T, il parle quand même. Ah bah, c'est intéressant. Il a besoin de s'exprimer. Bon, vas-y, balance le jeu. Balance le jeu, Nano, et puis. On balance le pâté. Vas-y. Pardon. C'est parti. Donc, vous aimez les histoires, hein? Surtout avec des chasseurs de trésors. J'en ai une incroyable. Pandore. C'est chez nous. Une planète pas très conviviale. Pas un endroit pour l'amour et la paix. On dit que c'est un désert, que c'est dangereux, qu'il faudrait être fou pour venir chercher fortune ici. Alors ça fait de moi un faux. Mais ne vous laissez pas aveugler par l'apparence de Pandore. Il y a la légende. Tout le monde la connaît. La légende de l'Arche. Mon père a toujours parlé de l'Arche, jusqu'à son dernier souffle. La légende de l'Arche est un conte envoûtant. Technologie extraterrestre futuriste, richesse, célébrité, puissance et femme. Facile de comprendre pourquoi les gosses qu'on gave de ces histoires deviennent des chasseurs de l'Arche. Eh bien, voilà mon histoire incroyable. Mais je vous garantis qu'elle est vraie. L'Arche existe et elle est ici, sur Pandore. Et un, disons, ange gardien est apparu pour guider les chasseurs de l'Arche jusqu'à leur Graal. L'histoire commence ici, sur Pandore, avec d'audacieux chasseurs de l'Arche. L'ange gardien est le plus important, moi.
se réveille derrière. Il fait un temps magnifique. Le monde vous appartient. Rassemblez vos affaires. Qui descend du bus? Toi là-bas, avec le fusil de précision et le... Ne t'inquiète pas. Je veux que tu gardes ton calme. Ne dis à personne que tu entends ma voix. Commence à descendre du bus. Tu n'as aucune raison de me faire confiance. Je suis là pour te guider. Pour t'aider à trouver l'arche. Tu dois y croire. Dans un instant, tu vas être accueilli par un étrange petit robot. Fais tout ce qu'il te dira. Tu comprendras ce que je veux dire quand tu le verras. Je te recontacterai très vite. Bon, on est arrivé. Allez, au revoir. Non, à bientôt. Je suis sûr qu'on remettra ça dans pas longtemps. Descends de mon bus. Ah bon, on n'a pas eu la cinématique d'introduction. J'allais le dire. Je vous ferai un petit topo quand même dessus. Ok. Ah, j'ai diffusé voix sans. Bien. Bon, en ce qui me concerne, j'ai récupéré le module d'affichage DAL. Pareillement. Mais où êtes-vous? Je ne vous vois point. Sont juste à côté de toi, normalement. Vous êtes à l'intérieur de moi. Ok. Oh, vous êtes apparu. Je sais. Arrêtez les gars, ça commence bien. On discute sérieux. Bon, allez les buter, moi je m'en fous. Hein. Le fusil sniper le plus efficace du monde. Un schlag. Trois coups, tu es quelqu'un encore. Putain, l'arme est en précise au monde quoi. Ah oui, mais en fait, toi tu loupes tout sur ton passage quoi. Bah, par contre, moi, c'est une arme de merde que j'ai. C'est le jeu qui m'a l'optimisé ou. C'est un vieux jeu, il est pas super bien optimisé. Ouais. Mm-hmm. Parce que j'ai des petits coups de claque, hein, pourtant je vois que je suis à 30 FPS. Hein. Et pourtant j'ai hard lagué, hein. Enfin, j'ai juste... Ouais, pour allez, pour être sûr, j'ai tout passé en moyen. Peut-être la résolution, mais bon. Quelqu'un veut des flingues là 12, 10, 12, ah, il y a des flingues. 8. Je prends celui-là. J'ai quoi le plus puissant? Bah, je sais pas, j'ai fait le rouge. Parce que le rouge, c'est la couleur de danger. Alors attends. Tac. Ah, il y a un scope, s'il te plaît, j'ai trouvé le magnum avec un scope dessus. Eh, rien n'y fait, hein. J'ai beau changer, j'ai joué avec les réglages. Non, mais je sais pas. Bon, bah, si personne le veut, hein. Non, mais non, laisse-le à Nano quand même. Non, mais c'est ça. J'ai un lanti relativement puissant. Hop. Sang, j'ai bien cru que ma dernière heure était arrivée. Fumier de bandit, toujours sur notre dos. À l'ancienne. J'ai dû me barricader. Je vais vous faire entrer. Allez. Merde, ces circuits pourris sont encore en panne. Essayez l'interrupteur de votre côté pour voir. Oula, oula. Ça, c'est l'écran de quête. Okay. Ça, c'est bien, le mec qui est barricadé, mais il y a quand même l'interrupteur à l'extérieur. Ouais, non, mais. C'est pas tellement ça, simplement qu'il y a un. Protégé par un mur de tôle. Il y a un chouchi en fait. Il décolle. Ouais, bon, ta gueule, clap, tu commences à me saouler déjà. J'écoute même pas ce qu'il dit. Le mec est trop négligé.
Non, mais ça, c'est le mystère. Tu lances un jeu du style Battlefield 4 en ultra, tu n'as aucun problème de framerate. Et un jeu comme Borderlands, c'est moi, différent. Je sais pas, ça marche pourtant. Merci de l'avoir ouvert. Ok. Ma belle Zelle. C'est bon. On me laisse plus charcuter les gens parce qu'on m'a retiré ma licence. Attention, Skag méchant, tu es des Skag pour y revenir voir le docteur Zed. Ok. Dans ces bornes, vous pouvez acheter tout le matériel de soins qu'un vrai docteur vous prescrirait. Et ça vous évitera les sermons du genre. Cette arche est une légende, vous allez vous faire tuer. On parle en même temps, s'il te plaît. Allez, on y va. Donc vous avez suivi la mission là, il faut aller buter les Skag. Alors les Skag, je sais pas si vous savez ce que c'est. Non. C'est des sortes de coyotes du désert, mais avec une gueule dégueulasse. De toute façon, je suis un bon chasseur, hein. Tout ce que je vois, je le tue. Ah, putain. C'est bien parce qu'il s'est fait dégommer la gueule. Oui, j'étais devant, hein. J'étais devant, moi ça m'a traversé. Paye ton SMG de merde. Oh, schlag. Oh, niveau supérieur, yes. Ouais, pareil. Il est bien pour toi. Bien fait pour toi. Bien fait pour toi. Bien fait pour toi. Il finira par avoir ce qu'il mérite. Tu as réussi. Je savais que tu étais le bon. Bon, on est les trois et bon. Ouais, mais on n'est pas censé savoir qu'elle nous parle à tous les trois en fait. Ah ouais. Allez, ah, sauvetage de la trappe, c'est bon. Vas-y, c'est qui a le chalumeau de réparation? C'est moi, c'est moi. Vas-y, on peut l'utiliser. On l'a bien utilisé. Il n'en a plus pour longtemps. Allez. N'y a-t-il pas près de toi quelque chose qui puisse le remettre en état? Si. On va récupérer la boîte à outils. J'ai un magnum à la limite. Kit des réparations, ah, c'est bon. Putain, tu fais un drôle de bruit quand tu cours derrière toi. Je m'en fous. Vos gueules. On dirait qu'il y a des montagnes. C'est bon. Attends, si je l'écrase peut-être. Ah bah oui, voilà. J'ai une fuite. Il a l'air d'aller bien. Il est temps de te mettre en route et d'entreprendre le voyage pour lequel tu es venu. Claptrap, c'est le putain de souffre-douleur, quoi. J'attends ça depuis 20 minutes, moi, perso, mais... Bon, alors... Faut buter les Skag. Les Niaskag sont juste là. Attention, ce feu-là, il brûle aussi. Yarko. Oui. Et ton framerate, c'est quoi actuellement? 25. Ouais, bon, t'es dans le même truc que toi, sur moi, alors. Non, moi, j'ai pas vraiment de lag, en fait. Non, mais moi, je veux dire, t'es sur 25 aussi, mais... Sans raison apparente. Par contre, je vois qu'il y a un ricochet. Bon. Ah bon? Ouais. Ok, c'est pas grave. Ça ouais, on va au rapport déjà. Ah ouais, c'est déjà pas mal. C'est un peu le son, il y aura moins de retour. J'ai jamais vu un rapport personnellement, mais bon. On est sur une planète inconnue. Ouais. J'allais dire, ah c'est bon, je me rappelle le nom de la planète, c'est Aegis 7. Putain, c'est pas Aegis 7. C'est parce qu'on a des Pandora, pouvoirs. Putain, c'est sur Pandore qu'on est. Merde. Comme dans Avatar. Non, tu dégages, Waka. Salut. Non, allez, salut. Ok, c'est bon, c'est plus un problème. Si vous me cherchez, je suis derrière le baril, là. Hein. Y'a pas de soucis. Là, je peux même pas y aller. Tu peux pas aller sur le baril rouge qui est là-bas. Ah non, qui était là-bas. Donc, faut réparer les distributeurs. J'ai éclaté avec ma tête. Faut réparer quoi? Les distributeurs pour s'acheter un bouclier. C'est pas l'ingénieur, c'est ton problème. Putain, je sais. C'est toi le civil. Ouais. C'est le mec qui a rien à voir dedans. Par contre, est-ce que tu peux continuer de courir comme tu le fais? C'est. Excitant, c'est ça? Va mourir. Non, on l'entend de loin. T'as vu? Elle a de la portée au niveau de la Ouais, ouais, j'allais le dire. Oh, tout de suite, toi, c'est différent quand tu cours, Waka. T'as l'air un peu bené, mais bon. Ouais, mais bon, ça change pas, même quand je cours pas, je vais te dire. C'est marrant parce que je vois pas à quoi je ressemble. S'il te plaît, j'ai un scope sur mon flingue. Technique Rightman. Je m'en fous, j'ai quand même l'XP. Hein, donc... Ouais, on gagne la même XP, je suppose. Putain, mais regarde-moi, on dirait un vieux pistolet à clous là. La marque Sader. Sader, Sader. C'est le placement de produit. C'est trop ça. N'oubliez pas de suivre le repère sur votre boussole pour atteindre votre prochain objectif. Les gars, il y a une caverne, il y a marqué Freehogs à côté, je devrais y aller ou pas? C'est typiquement le genre d'humour de Borderlands, quoi. Hop. Bon. D'habitude, je rentre dans les trous, mais là. Ok, donc.
Vous serez bien. D'accord, ils sont tous. Nickel. Merci pour le coup de. Ah, vous êtes rentré, vous. Faudrait voir à utiliser la machine pour vendre les trucs. Ouais, il y avait des cadavres. Besoin, putain, il parle de loin, de vous avez... Bah ouais. Il vous faut quelque chose. Achetez tous un bouclier, hein. Un gazin. Aveugler nos orteils. Tu es bondi. Censé m'occuper de l'entretien de ce matériel médical. Ok. C'est les fait. Gens ne te font pas encore confiance. Et tu ne trouveras jamais l'arche sans leur aide. Résoudre ça charge des boucliers. Z avec 9 orteils serait un bon début. Donc 9 orteils, je trouve ça une traduction merdique, mais en même temps elle est très précise puisque le nom du mec c'est Nine Toes normalement. Bon, 9 orteils en effet. Ouais. Allez, on avance parce que là on est déjà à 20 minutes de vidéo, on a rien foutu encore. Ça, j'en ai rien à foutre. Et quand il y a un pompe là, parce que ça me bouffe. Ça viendra en temps et en heure, mec. Bah, par contre, là, les mecs, ils font un petit mouvement pour le jouer technique. Ça tourne de balles, ça m'en charge avec un charge visible, à part toi bien. C'est vrai que t'as un d'aller directement sur eux, hein. J'ai plus que 2 balles donc laissez-moi un petit peu. Le switch. Mais les munitions, tu les récupères aussi, hein, de toute façon. Ça me fait des quad kills. Ah putain, j'ai plus de balles. Putain, y'en a des balles. Ça one shot même pas dans la tête. N'importe quoi. Non, mais t'as vu, c'est même mon fils sniper, il a du mal parfois. Mais allez, plus ça dans ta gueule. C'est pas ça que je veux faire. Je vais te faire plus fort à chaque instant. Je t'emmerde. C'est pour ça qu'il a pris un personnage féminin. Ah ouais. Putain, attends, c'est vrai qu'il y a de la voix quand même, Olivier. Fermez vos gueules, putain de merde, c'est bon. Elle a de la puissance au niveau de la gorge. Ouais, mais c'est pour l'infiltration, ça doit être compliqué. Ah, je allez, sais mourir, pas, merde. Tu veux infiltrer quelque chose dans ta gorge. Oh, mais non, c'est sale, là, arrête. Non, mais arrête, ça devient gênant, là. C'est pas pour YouPorn. Non, c'est pour YouTube, YouTube. Mais moi, avant, que je sois au courant. Ok, t'es cabaca. Vous avez ce que vous voulez. Alors, tirez-vous. Ok, on va aller rendre visite à l'éclopé. Vous n'avez pas les arguments nécessaires pour... Ouh. Oh, il a un fusil à pompe. Oh, c'est Michel Forever. Oui, c'est moi. Encore un pas et je te bute. À part ça, c'est... Ça, c'est Wakazuka, ça. Ça, c'est Wakazuka. C'est moi. T'aurais dû voir la gueule que t'as fait. Il est aveugle, hein, le mec. Ouais, t'as vu ta gueule, Derko. T'es pas un scat, toi. T'as de la chance. Je tire que sur des scats. T'en fais pas pour moi, c'est une exception. Ah, bah c'est peut-être l'occasion pour lui de prendre son pied, non? Nourrir le. Tout va bien. Rapporter la nourriture. Ok. Ouais, Kay vient de comprendre la blague. On va. Non, j'ai pas écouté ce que t'as dit. Non, non, mais il vaut mieux pas écouter. Ok, ouais, on y va. On retourne voir Tekaba. Bah, je... En fait. Fermez vos gueules. On aurait dû faire une courir avec ton personnage, ça aurait été tellement. Non. Tellement. Tellement. Fermez vos gueules, mec. Ouais, fermez vos gueules, monsieur Wakas, vous vite. Non, mais c'est pas nous hein, qu'on est en train de crier comme des. Oh là là. Je pense qu'il faut éviter de. Grenade de kilo, acheter au moins une grenade puis revenir voir tes cabas. Eh bah, c'est bien, on va pouvoir acheter des armes. Je tournais autour de lui, je me demandais s'il allait faire un 3-6 avec sa tête. Ah non, au moment où il s'arrête. Ok. Mais qu'est-ce qu'ils avaient derrière la tête quand ils ont fait ce. Et la bande son du jeu, quoi. C'est pas. Oh yes! Et Claptra qui fait minou. Okay. Ah, des armes! Ouais, c'est j'ai acheté un SMG pour quand je suis au niveau 4. Ça serait carrément mieux. 3 grenades. Y'a pas un pompe? Fuck. Oh, y'en a plein! Oui, tu peux acheter ce que tu veux là. Y'en a même! Ah, autre jour, autre combat. 1000 d'XP? Où est-ce que j'ai eu 1000 d'XP? Parce que t'as activé, enfin t'as réussi la mission quoi. T'as un sniper si tu veux, hein, Nano. Alors en vrai, je l'ai pas. Ah, parce que c'est moi le cinglé maintenant. Ouais. Tu sens bizarre. T'es pas de ce monde toi. Tu veux prendre ton. Lui il va prendre son pied derrière toi en fait. Nafortail, l'élimination, détruire la barricade, entrer dans Stagulli et tuer Nafortail. Non, Nine. Ah non, pas lui. Pas Tekaba. Faut le buter, j'arrive. Pas derrière. Prends un string. Okay. Ah mais putain bougez. Par contre histoire quand même de passer à niveau 4, on va buter 2-3 mecs hein. Ah bah y'a pas de soucis. Bah toi bah enfin. Vas-y attire-les, continue de courir. Bande de saligo. C'est bon. Oh je mets des têtes.
On dirait elle a peur ou je sais pas. Il... Ah, je passe. 48 balles de CMG en plus. Ah, y a je pense que je vais rien dire. Ouais, non, dis rien. Abstiens-toi, sérieusement. Si je t'avais SOP, Derko, t'as prouvé ou non les blagues par SOP. On a entendu l'explosion jusqu'ici. Bah, c'est bien, ta gueule. Ah, ah, bah, chargement. Ouais, skate gully, ah. On change de zone. Ça, ça va être pas le déjà. Ah, tu vois. Non, mais là, c'est... on essaie de rusher un petit peu quand oh, même. Oh, enfin... oh, mini sur Marcus. Ouais, alors là par contre, je pense que je vais en acheter parce que mine de rien. Ah, les gars, il dit population peace off. Ouais, il faut pas rentrer. Bon bah d'accord. Fin du jeu. On y va, allez. Ouais, on va prendre notre route. Tu vas être confronté à ton dernier vrai défi. J'espère que tu t'es suffisamment endurci. Ah yes. On s'est endurci quoi juste. Si tu savais ce que je m'étais endurci. Mais arrêtez, putain, les mecs, c'est sale. Putain, mais ça coûte une blinde ces trucs là, fait chier. Eh bah, genre, toi, tu peux gagner de l'argent avec. Enfin, bon. Oh là 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 là, les blagues les plus courtes sont les meilleures, les enfants. Ah, surtout. Après... Ah là, je suis déjà obligé de faire celui-là en haut. Niveau 5 déjà ? Ah bah, chouette. Comment ça fait que tu sois déjà niveau 5 ? Parce que moi, je fais des kills, moi. Bâtard. Ah, oh mon dieu, donné à tout le monde. La mauvaise personne. Ah, yeah. Nine toes. Il a aussi 3 couilles. C'est toujours bon à savoir. Très bien. Vous êtes prêts à me réanimer ? Occupez-vous des slags. Enfin des... merde. Moi je vais décider, on verra après. Bon bah voilà, Technique Reitman. C'est moi qui ai foutu le coup final. Et ça y est, on a enfin la technique... Reitman. Non. Allez, crève, putain de skag de merde. Ok, ouais, nickel. Hey, il est méchant celui-là, Yon. Bah oui, c'est un mini-boss. C'est un Vex, ah. Il fait partie du mini-boss. Ah, Vex. Ah, je viens de comprendre, ah. D'accord. Ah, c'est tout de suite plus clair. Ah, c'était pour ça. Donc, hop, c'est bon, j'ai activé l'hyperphase. Attendez, il y a des shots, je vais regarder ce qu'il y a dedans. Ah bon, on va sortir. Ah, des munitions. T'es un peu dans la merde, Waka, je veux pas dire, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Ah, on a faut comment ici pour que les shots elles sont arrivées dans tout le monde, Zaozi. Cherche pas, c'est Nine Toes. C'est-à-dire, ils font des caca parties, ils organisent tous comme ça autour. Faut que t'arrêtes SLG, toi. Et je ne veux pas encore avoir l'air de vous contredire, mais. La chance est-elle avec moi? Ça, je prends. Ouais, technique Reitman. Ok, donc maintenant, regardez si vous avez activé. Ah, mais non, Waka, t'es pas encore niveau 5. Oh, c'est dommage. Ah, maintenant, par contre, toi, tu peux activer ton. Tu peux déjà mettre un peu de pouvoir. C'est ça. Donc, tu l'as mis. Il me manque 5 cm. Tu peux balancer Sanguine alors maintenant. Attends. Hop, Sanguine. Hein, si t'arrives votre animal de compagnie, attaquer l'ennemi avant de revenir. Donc, t'as peine 5 cm pour level up. Et donc, si quelle touche 5 cm c'est ta bite, hein, je sais pas. Laisse-moi regarder. Alors! Allez, Sanguine, tu. Pour le moment, elle sert pas à grand chose, Sanguine. Oui, bah, je me rends compte. Elle fait pas encore dommages élémentaux, genre de conneries. Il n'y a pas d'ennemis, donc bon. Aussi. Moi, j'aime bien le cinquième élément. L'explosion! Ouais. Ah merde, je spoil! Alors, moi, je sais pas vous, mais je vais m'acheter de. De quoi améliorer. L'arche a l'air beaucoup moins amical que dans le 2. La chose qui compte, c'est que l'arche existe réellement. Et pourtant. Non, arrête! Ils essaieront de te manipuler, mais tu ne dois pas te laisser détourner. Comment on se restaure sa vie avec ce truc ? L'arche est ici, et nous. Tu l'utilises ? Ce monde est plein de périls. Endurcis-toi et avance. Je vais bien m'endurcir. Bon, ça va, stop. Hein. Alors, kick shot. Alors, à vous qui regardez, fermez les yeux. Essayez d'imaginer ce qui se passe. Putain, c'est sale, les mecs. L'imagination, c'est ton rôle. Oh merde les mecs, non. C'est pas par là qu'il faut aller en plus. Là je vous entends. Le pire c'est que je vous entends que tous les deux là. Ça va tout dire là. C'est normal. T'as la bouche pleine. Allez bon. Ah non. Ah non là j'approuve. Là c'est d'être à l'approuve. Tu sais que pour elle. Sanguine, je te choisis.
Oh, laisse tomber, de toute façon j'ai pas assez de précision avec ce flingue de merde. Dev, t'as les lecs au fond, snipe-les, hein. Allez, vas-y, sanguine. Sanguine. Non, je n'ai rien dit. Ouh, niveau supérieur. Oh, super. Pareillement. Ah, je pose une tourelle, on va voir si ça tue vraiment les gens. Machin, okay. Oh, c'est pas mal. Non, je déconne, c'est de la merde. Donc, je disais... Je vais demander les gars avec le sniper rifle. C'est bien, c'est le jeu à moitié en français. Augmenter les dégâts avec le sniper rifle. Ah, expertise en shotgun de Wakazuka est maintenant niveau 1. Ça me fait plaisir. C'est super. Hey, vous voulez voir ma nouvelle maison? Ok. Ah, l'esprit tordu, non mais... La pouf dans la tête. À peine. Allez, cours, Lilith. Oh. Eh, hey, chef, je suis invisible. Je me dis bien. Genre, hey. Allez vous faire foutre, bande de tâches. Genre. Non mais tu t'es cru où, toi? C'est, sur le, Non mais... La vie, Ça m'embouche un coin, vous avez eu 9 espèces. T'entends des bruits chelous, il attend en tête, ça m'embouche un coin. Ah, yes. Qu'est-ce que tu étais en train de faire? Grenade. Alors par contre, elle sert pas à gauche. D'accord, Wakazuka s'est blessé tout seul, c'est magnifique. Écoutez, monsieur 22. Autolock, et TK encore du boulot. T'en as l'impression de partir à la chasse avec des carabines. Ouais, le vol de bonne haine. Carrément plus de portée. Bonjour. Bonjour, voilà. Ok, donc, le prochain boss, son arme, elle est pour moi. Il n'a servi à rien, mais... Ah d'accord, en fait, d'abord tu sers tes propres intérêts, espèce de... Ah ouais, c'est un SMG, viens, l'arme qui arrive, c'est fait pas chier, c'est bon. Eh bien, Nano, on va faire un let's play, juste nous deux. Ouais, allez, viens, on se casse, salut. Allez, viens, on se casse, mais salut. Bande de tâches. Non, remarque, après, il y aura personne pour crier comme il le fait, ça va. Bah, il y a toujours un de vous deux qui peut faire la fille, hein. On va s'arranger entre nous deux. Non, c'est toi qui suis le mieux. Oh, oh, on se casse, on n'a pas le niveau. Si on a le niveau, YOLO. Oh, peut-être pas. Non. Je pose une tourelle. Oh non, on n'a pas le niveau. Moi je m'en fous, je me casse, je vous laisse tout seul derrière. Démerdez-vous tout seul, les mecs. C'est normal, le mec, il est niveau 11. Mais y'a personne. C'est pour ça. On n'a pas le niveau. Bon, bah, ce fut un plaisir. Non, bah, voilà. Non, mais tu vas respawn, t'inquiète pas. Je te ramène des copines. Ah, mais non, mec. Putain, t'as ramené un sale brutal, mais t'es un taré, mec. Mais t'es une vraie brute. Coup de pompe dans les dents, one shot. Ok, je pose une tourelle. On va se faire, Yamel, il a mal, il a très mal. Ah mais il peut même plus bouger. Et voilà. Oh, nickel. 900 d'XP. Putain, je passe que niveau 7 là. Moi je suis au milieu. On s'en fait un autre. Ouais. Bah de toute façon faut y aller là. Donc on continue les gars. Ok, bonne head est niveau 11, on se casse, laisse tomber. C'est un boss. C'est un boss niveau 11, on le fait pas. Bah y'a rien. 44$ en plus, merci beaucoup. Je sais pas qui c'est qui les a pris mais merci beaucoup. Salut, hop là les justement, je te cherche. Nickel, niveau sup. Bon. Niveau 7 Derko. Ouais. Ouais mais tu farmes. Je farme. Excuse. C'est vrai que les musiques sont géniales. C'est Borderlands, tu peux pas tester. 9x12 et celui-là c'est 8x9, en fait c'est de la merde. C'est ce que je disais. Ta gueule. Parcouvre-moi une zone. Ah, je peux mettre deux tourelles. Ah non, j'ai des points de compétence. Ah, j'ai un point de compétence aussi, moi j'ai mis tout dans dégâts fusil à lunettes. Moi pas encore, moi j'ai mis pour le moment... Il faut impérativement que je fasse baisser mon cooldown, donc résultat j'ai tout mis là, enfin je suis en train de monter l'arbre de skill qui va avec. Ah, voilà. Bien joué. Oui, c'est super utile. Je plus sois avec le monsieur. Ok. Ouais, enfin, ouais, ok, bon. Deuxième enregistreur ici. Ah, j'ai eu assistance ou élimination. Hein, ouais. Ah, cadavre. Ah, c'était tout de suite plus clair, hein. Ouais, clairement. D'ailleurs, faut aller au rapport là. T'as réactivé la mission ou pas, Nano? Laquelle? Jeu de jambes de TK.
Parce que là, c'est là que ça va se passer. Vous voyez Scar? Eh ben on va le buter, mec. Je sais même pas qui c'est. C'est ça, c'est un skag géant. Une tourelle. Ouh, il fait un effet élémentaire. Ouh, merde. Ça devient gênant d'entendre Lilith crier comme ça à chaque fois qu'il y a un truc qui fonce dessus. Oh, ça rend la vie, c'est cool. Quand vous restez à proximité. Voilà. Ouh, 1200. 1400. T'as le moindre. Le moindre. Tiens. Voilà, le moindre truc qui vaut de l'argent, on le ramasse. Ça, c'est cool, moi, ça. Ah, c'est bon. Oh, il est remonté vers cool, je sais pas ce qu'il a. C'est un très bon chiffre. Ouh. Ça, c'est le shotgun. Ça. Celui que j'ai récupéré. Ah, vas-y, tu peux le poser maintenant. Attends. Mais normalement, vous l'avez, hein, aussi, il me semble. Non oui, ah, non, le ticket wave. Ouais. Ah. Ouf. Ouf. Oh putain, il est énorme. Ça pas shit, Tail. Tirez bon. Dessus. Ouais, j'ai fait ça vole. Oh, c'est quoi ce truc cheaté à la con? Ah, je vais prendre ça. Ça fait pas de dégâts, c'est normal. Parce que tu vises à côté. Ah, attends. La couleur bleue comme ça, c'est dégueulasse. Ah, le speed. En fait, c'est vraiment le personnage, le fuyard, quoi. C'est-à-dire, le mec, il laisse ses amis dans la merde, qui passe invisible et qui peut courir. Bah, c'est une femme. Ouais, je suis niveau 9. Ah, bah, c'est une femme. Ah, ce sera pour une prochaine fois. Et donc, sur ce, on va s'arrêter. C'était un bon premier épisode, mine de rien. Donc je vous propose de laisser un petit like à la vidéo, de vous abonner à la chaîne, ça prend quelques secondes et ça fait toujours plaisir. Nano, quelque chose à rajouter? Alors j'ai un petit truc à rajouter. Bande de sacs, moi. Mais... Allez-y, non, on met la porte. Je le dirai dans le prochain épisode. Ok. Waka? Je veux dire que tu obliges les gens à regarder le prochain épisode. Voilà, comme ça je me fais du fric sur les vidéos. Ah, t'as tout compris. Bah oui. T'as fini d'envoyer les TikTok là? Tu tiens le fusil bon, genre en mode rien à foutre. C'est à peu près ça. Ouais. Et donc, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Amusez-vous bien. Et à la prochaine, les gens. Courez bien surtout. Allez, ciao tout le monde.